Myriam Abel, la chanteuse révélée par La Nouvelle Star, a ouvert sur son recours aux injections faciales lors de son passage sur le plateau de Jordan Deluxe. Confrontée à une photo d'elle, la chanteuse a exprimé son choc devant sa transformation physique. La transformation physique de Myriam Abel est notable depuis ses débuts à la télévision avec La Nouvelle Star. Près de 20 ans plus tard, son apparition dans « Les anges de la télé-réalité » a révélé un changement significatif, notamment une perte de poids de 20 kg en 4 mois, comme elle l'a partagé sur le plateau de Jordan Deluxe en 2022. Cette prise de conscience a eu lieu pendant la période du Covid, où elle a pris beaucoup de poids, atteignant 70 kg pour un M54. Lors de son entretien avec Jordan Deluxe, la chanteuse a été confrontée à une photo d'elle pendant son passage dans « Les anges de la télé-réalité », où elle avait un aspect bouffi. Myriam Abel a expliqué que cette apparence était due aux injections qu'elle avait faites juste avant le tournage. Elle a souligné qu'il aurait fallu attendre un peu pour obtenir un résultat plus naturel. La chanteuse a admis que la photo était trop exagérée, mais elle a montré une évolution positive de son visage depuis. Myriam Abel a tenu à préciser qu'elle n'avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique, se limitant uniquement à des injections aux lèvres et aux pommettes. Elle a expliqué que son complexe concernait ses lèvres inexistantes lors de sa participation à La Nouvelle Star, il y a 20 ans. Malgré les critiques sur son physique sur les réseaux sociaux, Myriam Abel a affirmé ne pas être affectée, étant habituée à recevoir des avis et des critiques tout au long de sa carrière musicale depuis l'âge de 12 ans.